La planète MMA a été secouée ces dernières semaines par le rachat du Bellator par le PFL. Ces deux entités ne formeront plus qu'une, qui pourrait d'ailleurs faire de l'ombre à l'UFC. Dana White vient de s'exprimer à ce sujet, et a été sans pitié. Depuis quelques mois désormais, le PFL fait tout pour s'imposer comme un concurrent crédible à l'UFC, sur la planète MMA. Par exemple, l'organisation s'est offerte les services de plusieurs superstars comme Jake Paul, mais aussi Francis Ngannou et Cédric Doumbé. D'ailleurs, quand on voit la hype actuelle des deux Camerounais, c'est déjà une immense victoire pour leur employeur. Mais la progression du PFL ne se fait pas seulement à ce niveau. En effet, les propriétaires viennent de racheter le Bellator, le numéro 2 historique. Avec ça, ils viennent ainsi de se constituer un effectif assez compétitif. Si les meilleurs combats se feront toujours dans l'octogone, le niveau devrait drastiquement monter autour de Doumbé et Ngannou. C'est forcément un sujet qui a été abordé lors de la dernière conférence de presse de Dana White. Et le grand patron de l'UFC a été plutôt clair sur le business de son nouveau concurrent principal. Visiblement, il n'est pas inquiet et ne pense pas que son organisation descendra de son trône dans les prochaines années. Il a employé des mots assez forts. Les voici, c'est hilarant que le PFL rachète le Bellator, mais tant mieux pour eux. Je leur souhaite toute la chance du monde. J'en ai déjà parlé, mais c'est une pauvre organisation qui ne vend aucune place et que personne ne regarde, qui rachète une organisation qui ne vend aucune place et que personne ne regarde. C'est un plan gagnant. Pour Dana, il n'y a pas de raison de s'inquiéter après le rachat du Bellator par le PFL, puisque personne ne regarde ces deux organisations. Il ne voit donc pas comment cette nouvelle entité pourrait faire de l'ombre à une machine aussi puissante que l'UFC. Ainsi, il semble dormir sur ses deux oreilles. Mais pour certains fans, il y aurait une pointe d'amertume dans ces mots. L'un d'eux a par exemple déclaré « Il a toujours la rage que le PFL et Francis Ngannou. » Dana White n'est pas vraiment inquiet suite au rachat de Bellator. Il ne voit pas comment cette organisation pourrait se mesurer à son UFC. Et ce même avec la présence de monstres, comme Cédric Doumbé et Francis Ngannou. Ancien champion de l'UFC, Francis Ngannou a démarré de façon tonitruante sa carrière de boxeur professionnel en tenant tête à Tyson Fury. Au sortir de cet exploit, il a récemment mis les choses au clair quant à ses objectifs, avec une punchline épique. S'il apparaissait déjà comme un redoutable striker à l'UFC, personne n'osait l'imaginer aussi coriace dans le ring. En effet, Francis Ngannou a fait l'objet de nombreux doutes concernant sa capacité à réussir dans le milieu ultra concurrentiel de la boxe anglaise. Encore plus face à un adversaire aussi renommé que Fury, qu'il a toutefois défié et malmené pour son premier combat dans la discipline. Battu de façon polémique par Fury sur décision partagée, Ngannou a toutefois frappé fort pour ses premiers pas en tant que boxeur professionnel. Ceux-ci lui ont ainsi non seulement permis de toucher un énorme chèque, mais aussi de faire son entrée à la 10e place du classement WBC. C'est donc avec ce prestigieux statut qu'il s'est présenté, avec le sourire à la cérémonie des CAF Awards. Ici, accompagné de l'entraîneur de football marocain Wally Regragui, le Predator a par la suite remis l'un des trophées décernés durant l'événement. Non, au fait, ça ne fait pas partie de mes objectifs. Je pense que j'ai dépassé l'époque de rêver des ceintures et tout ça. Je veux juste des beaux combats, tu vois. Taper des gens, éviter de me faire taper, taper des gens et prendre un peu d'oseille et aller à la maison. Il en a également profité pour s'exprimer sur son avenir, lui qui a désormais le choix entre la boxe et le MMA dans les rangs du PFL. Or, au micro de Canal Plus Sport Afrique, il a révélé ne plus forcément convoiter les titres de champion. Et ce de manière hilarante s'il se dit donc toujours prêt à taper des gens pour vivre, Francis ne fait visiblement pas du trône des poids lourds du PFL une obsession. À désormais 37 ans, le colosse camerounais cherche avant tout à garnir son compte en banque par le biais d'affiches alléchantes. Pas sûr dès lors que l'adversité qu'il peut rencontrer au sein de sa fédération soit à la hauteur. Pas plus d'ailleurs que certaines stars de la boxe, dont l'entourage aurait cherché à le contacter en vue d'un combat. Et ceux n'en auraient pas reçu de réponse de sa part. La preuve de son exigence revue à la hausse. Alors qu'il a longtemps couru derrière la ceinture des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou assure ne plus chercher à étoffer son palmarès. Au lieu de cela, il convoite désormais des chocs lucratifs, afin d'envisager confortablement la retraite.